Alors maintenant, je voudrais que les branches et le tronc fusionnent parce que je vais mettre un dégradé sur le tout. Il faut que ça fasse une seule forme. Et donc pour ça, je vais utiliser le Pathfinder. Donc menu fenêtre Pathfinder. Je sélectionne les branches, le tronc et les racines, mais pas les feuilles là. Et alors vous avez l'option Pathfinder Réunion ici. Alors le problème c'est que ça m'a tout transformé en un trait sur lequel il y a la forme de brosse qui suit en fait. C'est pas vraiment ce que je voulais. D'accord, mais testez pour voir, hein. Vous avez réellement créé une forme, mais actuellement elle a. Voilà, elle. Ça n'a... On n'a pas obtenu exactement ce que je voulais. Donc on va annuler ça. Édition annulée. Et on va voir que avant de fusionner les branches, qui sont des traits de brosse, en fait, je vous rappelle, hein, avant de fusionner les branches avec le tronc, j'ai intérêt à les décomposer pour qu'elles soient transformées en vraie forme. Le tronc, c'est une forme, mais les branches ici et les racines, ce ne sont pas des formes, ce sont des traits. Donc en fait, avec le Pathfinder, là, j'essayais de fusionner des choses de nature différente. Et c'est pour ça que je viens d'annuler. Et maintenant, je vais sélectionner par exemple une branche, là, comme ça, voilà. Et je vais demander objet. Décomposer l'aspect. Et ça m'a créé une forme. Eh bien, il faut que je le fasse pour toutes. Clic majuscule clic sur deux branches. Objet décomposer l'aspect. Elles sont transformées en deux formes. Ici, clic. Vous sélectionnez les formes et vous demandez objet décomposer l'aspect. Voilà. À partir de là, quand je sélectionne le tout, enfin je veux dire tout ce qui est brun là, et que je demande Pathfinder, eh bien ça fait ce que je voulais. On voit que les formes sont réunies en une seule. Parfait.